Alors, figurez-vous que je viens de mettre de l'huile de Nigel sur mon sein. Et figurez-vous qu'il boit à fond. Il a senti le goût, après il est revenu. Arôme dans mes narines. On va arrêter ça, Calice. Ça y est. Voilà. On va arrêter ça. Attends, on va enlever sa veste parce que. Pas pour toi. On va enlever sa veste parce que tu mets du blanc, mais tu peux pas arrêter avec du blanc. Je le donne plus, Calice. Non, je le donne plus. Non, occupe-toi avec autre chose. Occupe-toi avec autre chose. Maman veut plus le donner. Ça y est. Il faut qu'on arrête. Ça y est, t'as 16 mois. Ah, ça y est. Maman, arrête. Non. Non, mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Maman veut plus, mon bébé. T'étais foutu. Non. Oh là, regarde là-bas. Oh là-bas. Oh oh oh. Elle ne purifie tant que pilier d'entre. Regarde là-bas. Voilà la télé. Waouh. Trop bien. Non, tu peux faire un câlin, mais je ne donne pas. Fais câlin, maman. Oui, mon amour. Oui, mon bébé. Tu manges comme un grand garçon, ça y est maintenant. Tu vas aller en vacances avec maman? Un bouba. Quoi? Un bouba. Un quoi? Quoi? Un bouba. Un bonbon, tu sais dire un bonbon? Dis maman. Il veut pas dire maman. J'ai peur de toi. Un bonbon? Ressentent ma dépression, mes gosses. Voilà les effets de la pluie sur moi. Loulou, mon fils. Bah, Loulou. Calice, c'est la dépression. C'est la dépression. Tu veux quoi? Non. Ok, oula. Ok. Ok, ça va. Tenez. Avec vous, c'est le jour où tout a basculé. Ma vie, elle a changé le jour où je les ai mis au monde. Je sais qu'elle a pas fini de changer. Allez, tiens, mets ta veste. De l'autre côté. Oh, elle a tellement pas fini de changer, ma vie. C'est quoi ton prochain problème? C'est un attendant. C'est ton petit copain? T'inquiète pas, tu vas pas dormir tout de suite. Je vais faire quoi après? Tu vas faire Zumbeta. Zumbeta? Ouais. Non. T'as dit quoi, Mel? Elle a dit, t'as dit, redis, t'as dit quoi? Il n'y a pas de place dans... Pourquoi il n'y a pas de place dans la maison, Sana? D'assumer mes responsabilités de madre. Et j'ai une question. J'ai une question pour toi. J'ai fait de la grenadine au parc de... Ok, tout le monde va grand ici. Italia. Ok, j'ai une question. Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis une bonne maman? C'est qui la meilleure des mamans? C'est qui? Elle. C'est qui elle? Oh, c'est pas moi? Si. Ah, ok, c'est mieux. Elle. C'est mieux. Tête de racrapu. Oh, oui, c'est toi. Je capitule de séjourner à rien faire, à part à chialer. N'avait rien de... Non, t'étais pas caché dans les toilettes, non? Si, je vous explique. Sana est partie à l'anniversaire aujourd'hui. Et moi, j'étais cachée dans les toilettes de l'anniversaire, donc j'ai vu tout ce qu'elle a fait. Donc, apparemment, aïe, elle a mangé des nuggets avec des frites. Vrai ou faux? Je t'ai vu. Non, oui, je te jure. Comment je le sais alors que t'as mangé des nuggets avec des frites? Non, n'avait rien du tout. Mais toi, regarde, un jour je te mangerai. Et le jour où je te mangerai, tu seras plus en vie, toi. Vas-y, continue. Parce que moi, les petits bébés comme ça, je les mange. Attends, mais les poupettes, papa, il est parti. Et nous, on va jouer. Nous, on va dormir après.
qu'on avait à Bogo. Je vais très bien, alhamdoulilah, merci. Donc pour Cadis, je te conseille déjà de diminuer progressivement les tétés. Tu as deux options, soit l'option radicale du jour au lendemain, mais il y aura beaucoup de pleurs, voilà. Si tu veux y aller vraiment progressivement, plus doucement, c'est l'option numéro 2, diminuer graduellement les tétés. Du coup, Kenza, concernant l'option number 2, tu vas diminuer graduellement les tétés en journée. Tu vas tout d'abord conserver la dernière tétée d'endormissement, la tétée de plaisir à peu près vers l'heure du coucher, d'accord, parce qu'il est habitué. On se concentre d'abord sur les tétées de la journée. Je suis sûre que tu connais à peu près les moments où il demande de téter plus. Donc, il faut justement cibler ces moments-là, essayer de le divertir. D'accord, si tu vois qu'il commence à chercher le sein, il se rapproche vers toi pour une petite tétée de plaisir, c'est à ce moment-là, tu lui proposes une autre activité qu'il aime. Tu vas décaler au fur et à mesure de 5 minutes. Le premier jour, ce sera 5 minutes, puis tu vas lui redonner une tétée, mais plus courte. Tu lui expliques que 10 minutes, et puis le lendemain, ça, tu vas décaler la tétée de 10 minutes. Et tu vas la des deux côtés, de lui montrer que tu as bobo, que maman elle a un pansement, et tu mets aussi un soutien-gorge ou surtout une brassière de sport bien bien serrée, voire deux brassières pour qu'il a plus de mal à chercher le sein. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu t'es coiffé tes cheveux sur cheveux secs? Tu t'es coiffé tes cheveux afro? Oui. T'as des cheveux afro? Oui. T'accouches et tu viens dodo. Si au bout de 3, t'as pas fait ça, tu dors dans ta chambre. 1. 2. Jusqu'à 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 et demi. 9. 9 et demi. 10. Allez, ramène. Bonne nuit. Bonne nuit, poupée. Allez, éteins la lumière, mon cœur. Okay. Tu dis good night. Buenas noches. Rahat nahsi. Et t'en sais, Anna. Et bien, bien. Et je vais te faire des cheveux afro comme ça, des fois. Y'a pas. C'est trop belle. Bah, nous voilà. Allez, en dodo, moi je dors perso, je vous calcule plus. Éteins, mon cœur, il va venir. Si t'allumes, il va pas venir. Allez. Je t'aime plus que tout. Moi aussi. À la folie. Moi aussi. Passionnément. Moi aussi. T'es la meilleure des petites filles. Merci. Ok, oui. T'es la plus belle. Et tu dis bonne nuit. J'ai une question, ma chérie. C'est qui les poupées? Je sais pas. Tu sais pas c'est qui les poupées? Oui. Bah c'est qui les poupées? Dis-moi. Elles sont où les poupées? Les poupées qui sont dehors, qui dorment, les poupées. Oui, mais elles sont... c'est qui les poupées? Elles font quoi? Bah, ils dorment les poupées. Ouais, mais elles font quoi la journée? Bah, ils mangent les céréales. Et après, ils vont à l'école, les poupettes. Et quoi d'autre? Les poupettes. Enfin, dis-lui pas qu'après les poupettes. Mais les poupettes, elles sont grandes. Elles sont mariées, elles ont des enfants aussi. Ils sont où, ces enfants? Bah, ils sont chez eux. Ils font quoi, ces jeux? Mais c'est qui, poupette? Bah, je sais pas, c'est qui? Poupette. Je m'appelle comment? Comment je m'appelle? Kassa. J'entends pas ma vie. Kassa. Papa, il s'appelle comment? Alan. Baloulou, il s'appelle comment? Baloulou. Non, son vrai prénom. Il s'appelle Kali. Et toi? Moi, je m'appelle Selana. Et c'est qui ton amoureux? Bassim. C'est qui? Maman. Bah non, t'as un amoureux. T'as dit tu vas te marier avec qui? Papa. Tu vas te marier avec papa? Chalice, il a une copine. Elle s'appelle comment? C'est son amoureuse. Il l'aime. Elle s'appelle Tatiana. Tatiana? Oui. Elle est où? Il l'a rencontrée au toboggan et maintenant il l'aime. Il va se marier avec elle. Mais non. Pourquoi? Mais non, c'est un gros garçon. C'est un petit garçon, il peut pas. Pourquoi il peut pas? Parce qu'il peut pas se marier. Moi, je Il y avait quoi avec le petit parc? Des garçons. Et donc? Parce que souvent,
il n'avait pas beaucoup de copines. Donc t'es resté avec les garçons? Oui. T'as parlé avec eux? Non. T'as le droit de dire la vérité, hein? Le droit? Bah oui. Du coup, t'as parlé avec eux ou pas? Oui. Bah tu vas régler ça avec papa, comprends? Non, je rigole, ma vie, t'es encore petite. Et du coup, vous avez fait quoi avec les garçons? On avait un garçon, grand garçon. Ouais. Et là, bah, un petit garçon, il a dit, ça, tiens ton petit avipat. Tiens ton petit quoi? Avipat. Ton petit avipat? Et c'est quoi avipat? C'est un jeu. Un jeu? Oui. Ok, quoi d'autre? Et ton beau gars, elle a dit, attends-moi vite, vite. Attends-moi. Et après? Après, on a fait gros toboggan. Ok. Et elle a dit, attends-moi. Et après, moi j'ai dit, allez. Moi, j'étais dans le cramponnier. Et elle a dit, attends-moi. Et tu l'as attendu ou pas? Non. Pourquoi? Parce que j'ai tout seul. T'étais toute seule? Oui. La dernière fois, j'étais tout seul. Et donc? Après, vous avez mangé quoi? Des pop-corn. Des pop-corn? Oui. Quoi d'autre? Attends, je vois la photo. Dans la photo, tu manges des frites et des nuggets. Voilà, c'est bien. Ça, quoi d'autre? M&S. Ah, le gâteau, il était au M&M's. Oui. Ah, ok, quoi d'autre? On a dansé, on était à bonbons. Quoi? On était à bonbons. Vous aviez des bonbons? Oui. Ok, quoi d'autre? C'est tout? Après, on a encore dansé. Ok. Après, on n'a pas trouvé la clé. Ah oui, la clé pour ouvrir le coffre. Oui. Pour avoir des bonbons. Vous avez cherché la clé, vous l'avez pas trouvée? Non, on l'a pas trouvée. Ok, quoi d'autre? Après, t'es caché dans les toilettes. Pourquoi t'as fait quoi dans les toilettes? Bah, je me suis cachée pour te regarder. Où? Pour regarder ce que tu faisais, parce que je sais. Tu peux me dire. C'est vrai? Tu m'invites? Oui, je t'invite. Ok. Tu peux venir la prochaine fois. Bonne nuit les poupettes. Ça y est? Tu peux aller dormir maintenant? Attends. Tu peux saper avant les poupettes. Bonne nuit les poupettes. Et stop. Je stoppe? Oui. Ok. Fais ça. Ok. Mes poupettes, j'ai une petite faim, donc je me pose avec vous, je veux manger. Est-ce que vous avez déjà fait Annecy? Vous avez déjà été à Annecy, c'est bien. Parce qu'en fait, j'ai envie de prendre ma voiture toute seule. Genre, vraiment, j'ai jamais été avec moi-même. Genre là, j'ai envie d'aller avec moi-même. Voilà. J'ai une envie de... trop fatiguée. Par là, trop fatiguée psychologiquement. J'ai envie de prendre ma voiture, aller à Annecy, passer 3 jours toute seule. Hôtel tout compris, genre vraiment... Sortie nature et tout. Attends mon bébé. Sortie nature tout. Et revenir genre 3 jours genre 72 heures. Je pense que c'est une bonne idée. Quand t'es en craquage comme ça, faut couper un peu. Parce que je vois Annecy sur TikTok. Et ça donne trop envie d'y aller. Ok. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mes beautés.
Plus de...